Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je vais bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo matinée d'une maman de trois. Voilà, je voulais vraiment vous partager comment je passe mon matinée. Voilà, ça c'était les samedis. Je venais de me réveiller et je vais d'abord commencer par faire mon lit. Voilà, arriérer la pièce. Donc je vais ouvrir les portes de ma chambre, voilà, pour arriérer la pièce. Entre-temps, je vais vraiment faire mon lit. Avant, j'avais commencé d'abord comme c'était les samedis. Moi, souvent, les samedis, je prends vraiment mon temps de se reposer parce que là, c'était pendant l'école, c'était avant les vacances, voilà. Je prends vraiment mon temps de me reposer. Je me réveille souvent les samedis à 9h, 10h. Et là, j'ai pris vraiment le temps avec mes enfants, parler, poser les questions aux enfants, s'ils ont un souci, s'ils ont besoin de quelque chose, s'ils ont quelque chose à me dire. Souvent, je le fais les samedis. Et on prend aussi vraiment le temps de prier ensemble, en famille avec mes enfants. Et là, je venais juste de finir avec eux. Je vais passer à bien faire mon lit. Juste une question de laisser ma chambre bien propre. Après, c'est là, je vais aller me prendre ma douche, donner la douche aux enfants. Et après, on va commencer notre journée. Voilà. Je vais juste partager avec vous mon matinée, comment ça se passe. Voilà, toujours pour bien vraiment commencer la journée, quand ton lit est fait, quand ton lit est propre, franchement, moralement, on est tranquille, j'espère bien, comme moi. Si mon lit est bien propre, je suis tranquille moralement. Voilà, là, je vais faire mon lit et je vais bien passer l'aspirateur. Je vais passer un coup de torchons aussi, je vais dépoussiérer. Juste une question de laisser ma chambre bien propre. Voilà. Et après, je vais faire aussi la chambre des enfants. Voilà. Et je me présente pour les nouveaux. Je suis Gypsy, la maman des trois, des garçons et une fille. J'ai créé cette chaîne afin de partager ma vie de maman avec vous, la famille, dans le domaine de la décoration, motivation, ménage. Comment avoir une maison qui est propre, qui sent bon, qui est bien ordonnée. Voilà, je partage aussi les vidéos Makusa. Si c'est là, ça vous intéresse, n'hésitez pas à partager, liker, vous abonner et de cliquer aussi à la cloche pour être toujours au courant à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo. Voilà, là j'ai commencé par dépoussiérer. Après avoir dépoussiéré, je vais passer un coup d'aspirateur et après je vais passer un coup de torchon pour juste laisser ma chambre propre, parce que ça faisait quand même quelques jours que j'avais pas torchonné ma chambre. Et là voilà, je vais rapidement passer machine, comment on appelle ça? Pourquoi à chaque fois les noms, toujours ça m'échappe? Voilà. Si les noms reviennent, je vais vous dire. Voilà. Je vous laisse regarder.
Voilà, je vais rapidement passer mon nettoyant Vapeur, c'est ça le nom, c'est un nettoyant Vapeur qui vient de chez Lidl, ça marche vraiment bien. Et voilà, ça m'aide aussi à nettoyer les chaises, les canapés, les tapis. Franchement, c'est vraiment bien, c'est vraiment bien. Et en plus, ça fait gagner du temps comme pas possible parce que c'est vraiment rapide et ça nettoie jusqu'à la profondeur, même les tâches qui sont dures, ça enlève tout. Voilà, j'aime bien. Et là, je vais passer rapidement dans ma chambre et puis je vais prendre ma douche, donner la douche aux enfants et ainsi de suite. J'espère bien faire aussi la chambre des enfants. Malgré il n'y avait pas longtemps, j'avais fait un gros ménage dans la chambre de mes enfants. Et là, je vais juste arranger leur lit et puis passer l'aspirateur. Voilà, juste une question de laisser aussi leur chambre bien propre. Quand les chambres sont propres, franchement, moi, moralement, je suis tranquille. Like I know that you like it, yeah, you like it. I know that you like it. You said that you were down just yesterday, hoping you'll stick around and wait for me. I see you all the time, but don't switch up on me. Yeah, I know that you. Et voilà, là, après avoir pris ma douche, j'ai donné douche aux enfants, j'ai fait aussi le petit déj pour E. Donc là, je vais maintenant à Tammy arranger la chambre des enfants, voilà. Là, on était presque déjà 11 heures passées, je vais faire la chambre des enfants, je vais dépoussiérer, je vais arranger leur lit, les draps étaient encore propres. Et après, je vais passer l'aspirateur, juste une question de laisser aussi leur chambre propre. Moi, franchement, par semaine, je fais une à deux fois les gros ménages dans la chambre de mes enfants. Pourquoi? Parce qu'ils prennent beaucoup de temps dans leur chambre. Mes enfants restent plus dans la chambre qu'au salon. Pourquoi? Parce qu'il y a des jouets dans leur chambre, il y a leur jouet, ils préfèrent vraiment jouer, surtout pendant l'été, comme ça, parfois on est dehors, au parc, à la place, ils sont derrière pour faire le vélo, voilà. Ou ils sont plus dans leur chambre pour jouer parce qu'il y a des jouets dans la chambre parce qu'on n'a pas une salle de jeu à la maison. Donc, il y a leur jouet qui est dans leur chambre et ils passent plus de temps dans leur chambre et leur chambre, ça devient sale rapidement et les draps aussi. Donc, j'échange les draps deux fois par semaine pour les enfants et je torchonne leur chambre trois, quatre fois par semaine. Pourquoi? Parce que j'aime toujours que ça soit propre, voilà. Pour bien-être des enfants, c'est vraiment important d'entretenir bien les lingeries des enfants. Eh, pardon, les lingeries, donc les lingeries des enfants, leurs draps, voilà, arriérer la pièce, torchonner, dépoussiérer. Franchement, c'est vraiment important pour leur bien-être. Donc là, je vais rapidement faire le nécessaire et laisser la chambre bien propre. Je vous laisse regarder. I know that you, I know that you, I know that you, I know that you.
vibes, you know that. So if you're with it, then say yeah. I just need a little bit of patience. You need me, I know that you've been waiting. Dial my number twice, promise I'll pick up the line. I see you're worried, don't gotta ask why. You like it, I know that you like it. You like it, yeah, you like it. I know that you like it, you like it. Je vais passer rapidement l'aspirateur, juste une question de laisser sa chambre propre, voilà. J'ai aéré bien la pièce, j'ai renouvelé l'air de l'intérieur, voilà. Là, je vais maintenant fermer les fenêtres et voilà, c'est vraiment propre. Ça sent très, très, très bon, sa chambre. Et voilà, et là, après ici, je vais passer aussi à faire la chambre des garçons et... Voilà, c'est vraiment nickel, hein, c'est propre, chaque chose à sa place. Voilà, et ce qui est bien aussi, mes enfants, après avoir joué, ils font toujours un effort d'arranger leur chambre. Là, je suis déjà dans la chambre des garçons. La chambre de mes garçons, c'est un P encore au chantier, je peux dire, parce que je n'ai pas encore fini comme je vais, que ça soit bon. Il y a quelques décos que je dois compléter dans leur chambre, mais ce n'est pas encore le moment. Je fais les choses sans pression, donc voilà, sans pression. Et là, je vais juste rapidement arranger leur lit. Et après, je vais dépoussiérer, je vais passer aussi les coups d'aspirateur et après, je vais... Après, c'est tout. Les temps que je suis en train de faire l'air lit, j'ai ouvert la fenêtre pour arriérer la pièce. Voilà, c'est vraiment important. Voilà, la famille. Je vous laisse regarder la vidéo. Là aussi, je vais passer à
dépoussiérer rapidement ces tableaux parce que j'avais oublié et voilà. Là, nous sommes arrivés aussi pratiquement à la fin de la vidéo. J'espère que ça va vous motiver, pourquoi pas les mamans, ça va vous motiver. Et voilà, la chambre était juste propre, nickel, malgré il y a encore vraiment des choses à faire. Par exemple, la table de la télé, je dois l'enlever. Voilà, pour gagner aussi l'espace dans la chambre des enfants, voilà. Pour le moment, c'est comme ça, c'est juste propre, c'est juste nickel. J'espère vous motiver la famille. Si c'est le cas, likez et regardez la vidéo du début jusqu'à la fin. Likez, pourquoi pas, partagez aussi et cliquez à la cloche pour être au courant à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé. Quant à moi, je vous dis, portez-vous bien. On se retrouve à très 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 bientôt. Bisous. Bye. Hopefully you'll be around.